Amici, buongiorno. Oggi sono qui nella Côte des Bons e sono arrivata fino a Montélie. Sono venuta a trovare Cataldina e Vincent. Sono i proprietari del Domaine du Re e voglio intervistarli per voi. Ora mi sposto e iniziamo la nostra intervista. Cataldina, ho scoperto il vostro Domaine a gennaio quando in un evento qua a Bonn ho degustato i vostri vini che mi hanno regalato tantissime emozioni. Abbiamo preso diversi appuntamenti che per un motivo o per un altro sono saltati. Oggi sono qua da voi. Ho visitato le vostre cave, ho visitato il vostro piccolo domaine, molto attraente e con una storia molto interessante. Che cosa ci potete raccontare della vostra realtà così bella e così attraente? Elle a rencontré le domaine à la dégustation Saint-Vincent à Beaune et elle a dégusté les vins et les vins lui ont offert beaucoup d'émotions et de plaisir. Ça lui a donné envie de venir déguster au domaine. Après plusieurs rendez-vous ratés, elle a enfin finalement réussi à venir au domaine et elle est heureuse de rencontrer le domaine. Elle a visité les caves et les installations et aujourd'hui, quelle histoire tu peux raconter sur le domaine? Ah bon. Eh bien, bonjour, merci d'être venu nous voir. Eh bien, ce que je peux raconter sur le domaine, c'est que c'est un domaine qui fait 8 hectares, qui est situé à Montélie, un tout petit village entre Morceau et Volnay. C'est un domaine qui appartient à la même famille depuis plus de 350 ans, comme la cave ici d'ailleurs a le même âge. On a aussi un vieux pressoir dans la cuverie qui a le même âge, qui a 350 ans. Et donc c'est la famille Montélie qui a créé le domaine. Et jusqu'à nous, en fait, nous on a repris la succession derrière le grand-papa de Cataldina, qui était régisseur des hospices de Beaune, en même temps que d'être propriétaire du domaine. Et ça a sauté une génération et maintenant c'est nous qui exploitons le domaine. Nous sommes situés à Montélie et nous faisons principalement, historiquement, du Montélie, évidemment, Meursault, Volnay et Pommard. E qual è differenza c'è tra il terroir di Montélie e il terroir di Meursault e Volnay? Quelle est la différence principale en quelques mots des terroirs de Montélie, Meursault et Volnay? Eh bien, la différence, c'est que nous sommes une toute petite appellation en volume. Ça veut dire qu'on n'est pas très connu dans le monde entier parce qu'on n'a pas beaucoup d'exportations. C'est la plus petite appellation de la Côte de Beaune. C'est comme une petite perle, en fait, et qu'il faut venir découvrir ici. Et donc, c'est vrai qu'on a les mêmes caractéristiques de vin, hein. On a des vins qui ont pas mal de beaucoup de minéralité, qui ont beaucoup de sensualité aussi. On est à côté de Volnay, donc le côté féminin du Pinot Noir, on le retrouve dans les Montélis, le côté très élégant, et dans les Chardonnays, parce que nous faisons du blanc et du rouge à Montélis, on a le côté de la minéralité, le côté grillé aussi du Meursault, qu'on retrouve aussi dans les Montélis, avec beaucoup de subtilité. Ho visto che rispetto ad altre zone qui a Côte des Bons, ma anche rispetto alla Côte d'Or, qui a Montélie il rilievo è più dinamico. Troviamo molte più colline e un pochino questo aspetto mi fa pensare alla Toscana. Alors, elle a beaucoup vadrouillé sur la côte de Beaune et en Côte d'Or, et elle trouve qu'ici, à Montélie, il y a un petit peu plus de coteaux et de dénivelé. Ah oui. Et que ça lui fait penser à la Toscane. Oui. D'ailleurs, c'est très joli, la Toscane aussi. Et ici, c'est vrai que les coteaux, c'est très joli. On a une belle vue. On voit le Mont Blanc, d'ailleurs, de Montélie. Il faut même le savoir quand il fait beau. Ça nous donne un avantage, ces coteaux et ces collines. On est un peu plus en hauteur que d'autres villages. Et actuellement, avec les fortes chaleurs qu'on connaît en été, on arrive à garder assez bien de fraîcheur qui nous permettent de patienter un peu plus longtemps que les autres avant de vendanger. Et qui nous permet d'avoir une maturité au niveau des pépins de la peau, la maturité phénolique, plus avancée que d'autres villages. Donc,
cette chaleur, ben, finalement, pour Montély, Montély s'en sort, tire bien son épingle du jeu. L'appellation Montély tire bien son épingle du jeu parce que on n'a pas des vins trop lourds, on n'arrive pas à des taux de sucre et d'alcool trop élevés. Et on regarde une certaine fraîcheur dans les vins que d'autres villages ont plus de mal à garder. E evidentemente questa forma di rilievo incide molto sulla qualità del vino. Ma qual è l'impronta vostra sul vostro vino? Qual è la vostra firma sul vostro vino per differenziarlo dal vino di altri produttori? Qual è ta signature per differenziare tes vins par rapport au vin des autres? Bonne question. Nous, on fait d'abord les vins que nous aimons. On n'essaie pas de regarder ce que les autres font. On fait les vins que nous aimons. Et nous, on considère que le plus important, c'est le travail de la vigne. Nous sommes là seulement pour accompagner le raisin. Et que le vin, ben, finalement, nous, on est là pour le garder dans certaines limites qui ne débordent pas. Mais c'est le raisin qui est le plus important. Et nous, on travaille beaucoup la vigne. On fait beaucoup d'analyses de sol. On est vraiment toujours dans la vigne pour pouvoir faire en sorte que le raisin arrive à la plus belle maturité, soit le plus beau raisin, sans beaucoup de charge. Donc ça, c'est très important. Et c'est vraiment notre travail principal. Nous, on considère que c'est dans la vigne qu'il se fait, que 90% du travail pour le vin, c'est dans la vigne. Et puis, on est très attentif aussi aux partenaires avec qui on travaille, pour les produits qu'on utilise. On est très attentif aux tonneliers, on est très attentif à ne pas apporter trop de bois dans les vins. On aime bien l'élégance, la finesse, on aime bien le côté soyeux du pinot noir, et on aime le côté puissant du chardonnay qui, en Bourgogne, doit rester quelque chose de très, justement, plus puissant qu'ailleurs, et plus rond, plus gras que dans d'autres régions, le chardonnay doit être en Bourgogne, ce qu'on n'arrive pas à faire ailleurs. En fait, c'est ce qu'on essaie de dire. Le chardonnay se plaît en Bourgogne comme nulle part ailleurs dans le monde. Et il faut lui donner toutes ses chances d'évoluer au mieux. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Bene, interessante. Ma ora voglio fare una domanda a Cataldina. Tu, Cataldina, hai origini italiane. Praticamente sei metà italiana, metà francese. E sei cresciuta qui e hai visto produrre il vino fino da quando tu eri piccola. Quanto delle tue radici italiane si ritrova nel vino che produci ora qui in Borgogna? Sì, sono metà metà, papà dell'Italia e la mamma della Borgogna. Ho cresciuto un po' tra l'Italia e tra la Borgogna, però ho cominciato a lavorare con il mio nonno e mi ha fatto la trasmissione della sua passionata, diciamo. l'Italia è molto complicato, come la Francia, tra tutte le varietà di uva. È molto interessante a capire le terroir molto diverse. Abbiamo sempre qualcosa da capire, da apprendere, da elaborare, sì. Da ricercare e da studiare. Sempre. Da studiare sempre, non è mai finito nel vino. Sì, infatti, per quello il vino è un'arte. Esatto. È un'arte che si evolve sempre. Esattamente. E pensando a questa annata, che le temperature di quest'anno sono state diverse. Quest'anno per noi umani, ma anche per l'uva, è stato un anno diverso. Si parla di una vendemmia molto più precoce, una vendemmia che, come mi avete raccontato, è iniziata già 3 settimane in anticipo. Sì. Cosa ne pensate di questa vendemmia che dicono che dal 1380 sia una delle 3 vendemmie più precoci mai registrate qui in Borgogna? Cosa ne pensate di questa annata e dei vini che usciranno dalle uve di questa annata? Ok, se in Borgogna
On tient des registres pour les vendanges depuis 1380. C'est les vendanges les plus précoces. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense de cette vendange et de ces raisins qui sont prêts de plus en plus tôt? D'abord, on pense que ça donne beaucoup de travail pendant le printemps. C'est difficile de suivre, les vignes évoluent très vite, elles poussent plus vite que d'habitude, donc ça donne beaucoup de travail. Par contre, c'est vrai qu'on vendange plus tôt, mais par contre, il ne faut pas vendanger trop tôt non plus. Nous, on n'a pas senti de différence dans la maturité des pépins et des pots parce qu'on a pu attendre le plus longtemps possible sans être stressé par la montée du sucre et ni par les oranges qui arrivent. Donc, on a attendu le plus longtemps possible pour que la maturité soit prête. Pour l'instant, à la dégustation, on ne goûte pas de différence notable par rapport à d'autres millésimes. On a vendangé déjà l'année passée, on a vendangé le 13 septembre. On n'a pas goûté de grandes différences, si ce n'est peut-être que finalement on arrive à des maturités vraiment au niveau du sucre idéal, ce qui n'est pas toujours le cas en Bourgogne, où des fois on a un peu de mal à arriver à maturité. Maintenant, on y arrive. Au niveau de la dégustation, on n'a pas de grandes différences par rapport à ce qu'on a vécu les années précédentes. Non ? Est-ce que tu as quelque chose à apporter ? Exact. Voilà, ce n'est pas. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour pouvoir dire qu'il y a vraiment un grand écart entre les deux millésimes l'année passée, le 2019, on a vendangé le 13 septembre, et cette année, on a commencé le 25 août. À la dégustation, on ne voit pas une grande différence. Maintenant, c'est solo la vendemmia qui est précoce, è tutta la nata, anche alla primavera, quando comincia a crescere la vigne, è già molto, molto, molto presto. Quindi c'è il ciclo completo, ci sono 100 giorni tra raffiore e la vendemmia. Qua si fa tutti gli anni che la vendemmia sta più tardi o più presto. In base all'inizio del ciclo di fioritura, sì, sì. Di vegetazione, all'inizio del ciclo, esatto. Di vegetazione. Sì, sì. Bene, molto interessante quello che mi avete raccontato. Ora ci fermiamo qui per la prima puntata. E andremo di sopra a conoscere i vostri vini. Amici, ci fermiamo qui con la prima parte dell'intervista e vi do appuntamento alla seconda parte con i vini del Domaine de Re.